Aujourd'hui, je prends le temps de venir m'asseoir devant vous, de partager ça avec vous. Vous avez remarqué depuis quelque temps, et depuis toujours d'ailleurs, que je suis dans la politique, et l'homme est venu vous parler sur beaucoup de problèmes, sur beaucoup de sujets, partager beaucoup de choses, tant de choses avec vous. Et franchement, nous avons des sources d'informations, mais votre frère que je suis, j'ai aujourd'hui constaté l'ampleur du travail que nous sommes en train de faire, que je suis en train de faire. J'ai constaté que ce n'est pas un travail, ce n'est pas un petit travail. Pourquoi? Parce que nous avons été contactés par des sources, je vais le dire comme ça, pour mélanger tout le monde. Par des sources qui ne sont pas, qui n'ont pas d'égal, qui n'ont pas d'égal. Oui. Mes frères et sœurs guinéens, je suis assis avec vous. Ma tête est remplie d'enseignements, ma tête est remplie de livres de la gouvernance d'Alpha Condé jusqu'au jour du coup d'État et jusque là où nous sommes, là, maintenant, là. Ma tête est remplie de ça. Mes frères et sœurs guinéens, pour ça, il a fallu que je prenne des notes et les sources sont des cadres de ce pays. Oui, je ne vais même pas donner des indices qui ont eu ce petit temps de me contacter, moi. Ils n'ont pas contacté des journalistes, ils n'ont pas contacté des gens, mais ce qui prouve aujourd'hui que tout ce que nous sommes en train de faire sur les réseaux sociaux, c'est des travaux qui sont appréciés et que nous devons faire ces travaux dans les règles de l'art, dans le respect de tous les procédures, sans injures, sans les mots déplacés, sans rien du tout. Salam, merci de partager ce live. Vous venez vous partager le live, s'il vous plaît. Vous venez vous partager ce live. Oh là là. Bon, je ne vais pas qualifier ce live comme l'une de mes meilleures vidéos. Mais cette vidéo-là fera partie des 5 meilleures vidéos que moi j'aurais fait sur Facebook. Pourquoi? À travers les révélations. Donc je disais que je ne vais pas qualifier ces révélations de mes meilleures révélations, mais depuis que je suis en train de révéler des trucs, c'est des révélations les plus fracassantes, les révélations qui marquent et les révélations qui m'ont le plus touché. Oui. Mes frères et sœurs guinéens, je ne sais pas par où commencer. J'ai pris des notes. Et merci. Merci pour le respect que vous m'avez accordé. Merci pour cette considération que vous avez accordée à moi, à ma modeste personne, de m'avoir contacté et me parler, me révéler tout ça. C'est Dieu qui va vous récompenser. Vous le faites pour votre pays. J'appelle tous les médias de prendre le temps de s'asseoir, d'écouter. Et j'appelle tout le monde de prendre le temps de s'asseoir, d'écouter. Mes frères et sœurs guinéens, notre pays aujourd'hui, nous sommes sur 3 problèmes de CNRD. 3 problèmes avec le CNRD. Et ces 3 problèmes, c'est ces mêmes 3 problèmes qu'on était au temps d'Alpha Condé. Ces 3 problèmes
Eh, mais tonton, faut pas venir regarder. Je vais m'en sortir. Alhamdulillah. Je vais l'aimer, le chétan, vas-y. Allah, donne-moi la force de m'en sortir. De pouvoir dire tout ça aux Guinéens. Donne-moi cette force. Asubhanallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Donnez-moi cette force. Problème de drogue, de cocaïne, problème politique, comment éliminer, mettre fin aux opposants politiques et problème minier, les mines. Trois problèmes. Problème de drogue, problème politique, comment effacer les opposants politiques et troisièmement, les mines. J'ai un grand respect pour le Premier ministre actuel, M. Mohamed Béavogui. C'est un homme, un cadre. Et je le respectais encore plus parce que l'éducation qu'il a donnée à sa première fille, elle a prouvé que oui, qu'elle a reçu une bonne éducation de son père. Mes frères et sœurs guinéens, la compagnie Limited et Mubadala, retenez bien ce nom, Mubadala, la compagnie Limited et Mubadala Développement, cette compagnie Mubadala Développement, où est déplacée, si attendez, je ne veux pas m'en sortir avec ça. Excusez-moi, donnez-moi une seconde là, s'il vous plaît. Cette compagnie Mubadala Développement, la directrice générale n'était nulle autre que la fille du Premier ministre actuel. Oui, M. Mohamed Béavogui. Mais elle a démissionné de son poste de ce compagnie minier. Pourquoi? Le coup d'état a été fait à Alpha Condé à cause des mines. Le coup d'état a été fait à Alpha Condé à cause des mines. En 2015, pour financer la campagne présidentielle de 2015, Alpha Condé et Dr Mohamed Diané ont fait un prêt de 300 millions de dollars à cette compagnie limited Mubadala, c'est des Émirats des Arabes, en 2015. Vous savez qu'en 2015, Alpha Condé a été réélu au premier tour, le coup KO. Donc, le coup d'État qui a été fait en 2021, depuis 2015, c'était en marche. Depuis 2015, c'était en marche. Est-ce que vous comprenez le truc? Donc, celui qu'on surnomme le gardien du temple, qui est Dr Mohamed Diané, avec son boss en question, ont pris Mamadi Jordan comme l'homme à tout faire, le sale boulot. Est-ce que vous comprenez? Quand Jordan nous parle de sale boulot, c'est lui le sale boulot, c'est lui qui faisait le sale boulot. Donc pour éliminer tout ce que Jordan
Le CNRD est en train de faire aujourd'hui, ce sont des projets d'Alpha Condé. Tous ceux qui sont en train de faire, ce sont des projets d'Alpha Condé tracés à la ligne. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, Dr Mohamed Diané et Alpha Condé demandent un prêt aux Émirats d'Arabes Unis de 300 millions de dollars. Ces 300 millions de dollars, ces compagnies prêtent à la Guinée. Mais le prêt a été demandé au nom de la Guinée. Et dans ce prêt, la compagnie Mubadala demande à Alpha que pour que la Guinée puisse éponger cette dette de 300 millions de dollars, qu'il faudra les fournir 100 millions de tonnes de bauxite. 100, je dis bien, 100 millions de tonnes de bauxite. Donc, pourquoi Alpha Condé a demandé ce prêt de 300 millions de dollars? Parce que il avait besoin de financer en avance, envoyer les groupes pour que Kaleta puisse marcher et que les Guinéens puissent voir qu'on avait le courant. Et là, boum, élection suivante, c'était le coup KO et c'est ce qui a été fait. Donc, ça c'est le premier aspect. Deuxième aspect, 700 millions de dollars de Roche, de Rio Tinto, je sais ceux qui sont en train de me regarder, savent ce que je suis en train de dire, c'est la vérité. 700 millions de dollars que Rio Tinto a versé à la Guinée. Où sont-ils tout cet argent, messieurs? Mais je continue l'explication. Et 230 millions d'euros d'une entreprise anglaise pour financer récemment le troisième mandat. Tous les dossiers sont venus, sont avec nous et le peuple va savoir la vérité. Donc, Alpha Condé et son gardien du temple, à l'occurrence Dr Mohamed Diané, gagnent le prêt. Quand ils ont gagné le prêt de 300 millions de dollars, ils financent Kaleta. Kaleta s'allume. On a eu le courant 6 à 8 mois en Guinée. Tout le monde a dit oui, Alpha Condé peut. Pouf, il y a eu coup KO, il a été réélu. Mais celui qui est là actuellement en tant que président de la transition, celui qui était, c'est-à-dire le bourreau, celui qui faisait le sale boulot, le bourreau, qui est la personne de Mamadi Doumbouya, aujourd'hui est le président. C'est l'homme, comme vous avez vu sur la vidéo de Kindia, vous avez vu, quand ils ont tué les militaires là, ils ont tiré les militaires. Jordan a pris son téléphone, il a appelé. Il ne parlait pas avec une autre personne, il parlait avec Alpha Condé. Il ne parlait pas avec une autre personne, il parlait avec Alpha Condé. Donc, Jordan a fait le sale boulot, il a fait le sale boulot, il a fait le sale boulot. Il connaît tout le projet d'Alpha Condé, tout autour de lui. Maintenant, avec ses contrats miniers, Alpha Condé négocie avec son fils, Alpha Mohamed Condé, avec ses SMB, que un pourcentage, c'est le gouvernement Beyavogui qui vient de détecter cela. Les derniers contrats qui ont été faits là récemment, on nous a pris 15% là. C'est-à-dire, Alpha Condé négocie. C'est-à-dire, tout ce que Alpha Condé a fait, il a cherché le pouvoir pour nos mines. Alpha Condé négocie avec son fils. Est-ce que vous entendez parler de fils d'Alpha Condé dans tout ça là? Affaire de Kriev, patati patata. Et pourtant, il est actionnaire dans les contrats miniers des SMB. Alpha Mohamed Condé, personne n'entend parler de lui.
Personne n'entend parler de lui. Personne. On ne le touche même pas à son nom. Est-ce que vous comprenez? Donc, il négocie. Nous, la Guinée aujourd'hui, et jusqu'à présent, avec ce régime qu'on ne comprend pas, la CRIEF, nous sommes en train de rembourser les 100 millions de tonnes de bauxite aux Arabes, jusqu'à maintenant là. Et au temps de la gouvernance d'Alpha Condé, si vous avez suivi certains hommes politiques qui ont fait des révélations concernant nos mines, l'argent de nos mines ne sont jamais partis dans le trésor public guinéen. C'est-à-dire, tout ce qu'on dit, les contrats miniers, on parle de 2 milliards de dollars, 1 milliard de dollars, 700 milliards de dollars, 700 millions de dollars. Aucun de ces montants n'ont été déposés dans le trésor public guinéen sous le règne d'Alpha Condé. Je le précise. Donc Alpha Condé avec son fils négocie un contrat avec 15%. C'est 15% depuis 2014 jusqu'à maintenant, jusqu'au coup d'État. C'est Alpha Condé et sa famille qui prenaient ces 15% masqués. Et là, nous, nous sommes en train de payer le but, l'objectif principal. Nous sommes en train de payer 300 millions de tonnes de bauxite aux Arabes, sans qu'on se rende compte. Maintenant, pour camoufler tout ça, Alpha Condé prend les projets, il donne à Fazni Wawzi, c'est tellement difficile de prononcer son nom, le soi-disant consul de la Hollande, le Libanais, le franco-libanais que vous connaissez. Maintenant, c'est juste une première partie, j'ai noté et je pense bien qu'on va bien déballer tout ça. Et bien que le peuple sera au courant. Diané, qui a été emprisonné maintenant par Doumbouya, il n'y a pas de sale boulot que Doumbouya n'a pas fait pour Diané. C'était son boss, son patron. Il n'y a pas ce sale. Fadi Wazni, c'est ça. Il n'y a pas ce sale boulot que Diané, que Doumbouya n'a pas fait pour Diané. Il n'y en a pas. C'était l'homme, leur homme de l'ombre. Diané dit ceci à Alpha. Pourquoi le coup d'État? Le petit, il connaît beaucoup de nos secrets. Le motif du coup d'État, hein, Doumbouya a fait coup d'État seulement pour sauver sa vie. C'est comme si vous travaillez avec un trafiquant de drogue. Vous découvrez tous ses secrets. Quand vous découvrez tous ses secrets, maintenant un jour avec ses amis, il est assis, il dit, ah, le petit là, il connaît trop nos secrets. Il faudra qu'on l'élimine. Si on ne l'élimine pas, il pourra nous faire du mal après. Donc, Diané prend la décision de rattacher les membres des forces spéciales au ministère de la Défense. Doumbouya n'a pas accepté. Doumbouya a catégoriquement refusé parce que Doumbouya ne voulait pas qu'il soit totalement sous le contrôle du ministère de la Défense. Il est resté dans son coin. Et le contrat, le deal entre eux, Jordan et Alpha, chaque année, Alpha Condé donnait 1 million de dollars en espèces, 1 million de dollars à Doumbouya pour l'entretien, c'est-à-dire 1 million de... Je ne dis pas 1 milliard, hein. 1 million de dollars américains à Doumbouya pour faire le sale boulot. Chaque année, 1 million de dollars. Donc, Doumbouya refuse de se rattacher au ministère de la Défense. Diané s'impose à ce que Doumbouya soit forcément rattaché au ministère de la Défense. Doumbouya refuse.
Et là, qu'est-ce qui se passe? Doumbouya connaît tout le secret d'Alpha Condé. Doumbouya connaît Alpha Condé mieux que quiconque. Tout ce que Doumbouya est en train de faire, ce sont les projets d'Alpha Condé. Tout ce qu'il est en train de faire. Mais Alpha a dit, moi je ne peux pas le faire. Voici, on va le faire comme ci, on va le faire comme ça. Mais cela ne veut pas. C'est-à-dire, que ça soit clair et net pour vous, que ce n'est pas un coup d'état de complot. Ce n'est pas un coup d'état de complot. Maintenant, la question qu'on va se poser, Doumbouya a fait coup d'état. Mais coup d'état a été fait à son ancien patron, celui qui l'a financé, celui qui l'a donné les moyens, celui qui l'a entretenu, celui qui l'a nourri. Mais pourquoi? Parce que celui qui l'a entretenu, celui qui l'a nourri, celui qui lui donnait des millions de dollars, oui, avait écouté des conseils pour pouvoir l'éliminer. C'est pourquoi le coup d'État. Pour pouvoir l'éliminer. Donc, il faudra qu'on planifie son arrestation, qu'on dise qu'il a résisté, il y a eu des tirs, on l'a tué. Maintenant, pour raccourcir, et je vais aller faire mes devoirs encore, aller lire et relire le dossier, vous revenez. Diané insiste à ce que Doumbouya soit forcément sous son autorité. Doumbouya n'accepte pas, et c'est là que le général Namori rentre dans la danse. Tous les détournements qui se font dans notre pays, quand on vous met ça sur le plateau et que vous découvrez, vous allez vous attraper la tête. En ce moment, le clan a été divisé. Le clan, je dis bien, le clan a été divisé. Le clan, un clan là, quand on parlait de clan là, Billahi Wallahi Talahi, c'était les meilleurs amis, c'était les meilleurs proches. Doumbouya, Alpha Condé, Mohamed Diané. Les trois là, des meilleurs amis, des meilleurs potes. Maintenant, il continue sur quoi? À forcément à ce que Diané, pourquoi tout ça là? Tout ce qui est en train de se passer, affaire de Krief là, poursuite là, tout ça là, c'est à cause de Diané. Tout ça là, tous les emprisonnements là, tout ceci là, c'est à cause de Diané. Tout ceci, c'est à cause de Mohamed Diané. Parce que l'affaire des mines là, ah, le dossier est profond. Wallahi billahi, le dossier est profond, très très profond. Donc, Doumbouya décide de se voir avec Alpha Condé pour pouvoir regarder qu'est-ce qui ne va pas. Alpha Condé refuse. Alpha Condé se retranche dans son palais. Il coupe contact avec tout le monde. Et là, Mohamed Diané fait le deal avec le général Namouri. Je vais vous dire, 300 millions de dollars et les 100 millions de tonnes qu'on est en train de payer aux Arabes au nom d'Alpha Condé. Parce que expliquer les trucs de coup d'État, revenir sur ça encore, c'est des répétitions. Mais le vrai problème qu'on comprenne et qu'on nous explique, pourquoi nous sommes en train de continuer à payer les dettes pour Alpha Condé et que Alpha Condé est là où il a envoyé tout l'argent là. Ou bien c'est à vous qu'il a remis Doumbouya. Ou bien c'est à vous qu'il a donné cet argent là. Parce que
Rio Tinto a dédommagé la Guinée de 700 millions de dollars. Parce que Rio Tinto s'est servi du nom de la Guinée dans les bourses pour pouvoir gagner des chiffres d'affaires. Dans ce dossier qu'on appelle avec Roche de Rio Tinto, Rio Tinto a débloqué la somme de 700 millions de dollars versée avec Alpha Condé. Tout ça, c'est les mines. Et aujourd'hui, billahi wallahi ta'ala, je vous dis sur le Saint-Coran, c'était de meilleurs amis. Des meilleurs amis. Tout ce que Doumbouya est en train de faire aujourd'hui aux gens du RPG, tous ces gens-là, les ministres-là, billahi wallahi ta'ala, il y a des grands cadres du RPG qui sont derrière ce coup d'État. Vous pensez que c'est pour ne rien que les gens sont restés silencieux? Personne n'a réagi le jour du coup d'État. Les gens ne se sont pas manifestés. Tout le monde était au courant du coup d'État. Ils avaient même donné une date. Ils avaient dit le 8 septembre. Mais ils ont anticipé. Parce que Diané voulait tuer Doumbouya. Diané voulait éliminer Doumbouya. Et que quand le petit a compris cela, il a anticipé, il a fait le jeu. Qui l'a aidé dans tout ça? Son homme a tout fait. Celui qui le protège depuis. Il dit amin. C'est pourquoi j'aimerais vous dire qu'en politique, il faudra contrôler nos émotions avec les tactiques. Alpha Condé a joué des rôles très importants dans sa vie pour être au pouvoir. Ces rôles-là sont quoi? Après la mort du feu général Lansana Conté, ou avant même quand Conté vivait, Alpha Condé s'est rapproché en coulisses avec des gens qui étaient proches à Lansana Conté. La preuve, l'exemple, je vous avais mis une des enregistrements qui a été fait par Tonton Malik qui disait qu'il était avec Conté, mais il était avec Alpha Condé en même temps. Sans oublier que Alpha Condé avait des infiltrés dans l'armée guinéenne qui étaient des généraux, qui travaillaient pour Conté, mais qui travaillaient avec Alpha Condé aussi, en même temps. Alpha Condé a fait ce politique-là. Ces généraux se reconnaissent. Certains sont vivants. Donc, ils ont servi l'État de Conté, mais ils ont joué l'espion pour Alpha Condé. Est-ce que vous comprenez? Donc, en matière de politique, C'est le discours de notre président d'ailleurs. Il a toujours dit, quel que soit, même qu'on est victime d'injustice, nous, ressaisissons-nous, faisons la politique avec nos têtes, pas avec nos cœurs. C'est très important. Cette politique d'Alpha Condé a permis, comme des gens, comme des généraux, Idi Amin, d'être des gens tranquilles pour lui. Après Conté, Dadis a fait coup d'État. Pendant coup d'État de Dadis a fait quelques trucs de, voilà, d'humiliation. Je vous rappelle d'ailleurs, si vous n'avez pas suivi, moi je me rappelle de ce jour. Capitaine Moussa Dadis, oui, il avait humilié le général Idi Amin à la télévision nationale en direct. En direct, il avait humilié. Idi Amin était arrêté, bouche bée, il n'avait pas parlé. Donc, ce Idi Amin, c'est lui qui a sauvé Jordan. C'est lui qui a sauvé Jordan, étant même pas dans le pays. Est-ce que vous comprenez? Il trompe Namori pour dire à Namori, comme le coup, c'est le 8, les obsèques de la fille de Kassori étaient prévues le 4, ils disent, comme le coup c'est le 8, ils demandent à Namori de leur laisser le barrage du 8 novembre, de contrôler le barrage du 8 novembre jusqu'à la semaine prochaine qui va tomber sur le 8 septembre.
Namori pensant qu'il est avec Diané et il est en même temps avec le petit Jordan. Mais Namori joue ce jeu que je vous ai toujours dit, qui cache à Diané qu'il est avec Doumbouya. Mais Doumbouya aussi craint pour sa tête. Quand Namori va être président, je vais être éliminé. Donc, avec tout ça là, ça s'est passé. Dieu a fait que Mamadi Doumbouya, tu es devenu notre président de transition. Personne ne peut effacer ça maintenant. Personne ne peut effacer ça. Donc, tu es devenu président. Les mines là, maintenant là, qui est les trois points forts de notre pays actuellement. Pourquoi nous, Guinéens, notre pays, notre bauxite est en train de partir pour rembourser la dette que Dr Diané et Alpha Condé ont pris? Ou bien vous avez arrêté Diané pour que Diané vous montre tout l'argent là? Parce que ce n'est pas petite somme d'argent. Ce n'est pas une petite somme d'argent. Je dis bien, 300 millions de dollars. Docteur Diané à la maison centrale. Il est là-bas. Donc, Fazni Wawzi, je ne sais pas prononcer son nom. Avec cette compagnie Limited et Mubadala Développement, la fille du premier ministre Mohamed Béavogui connaît bien le dossier. Elle a démissionné parce qu'elle ne voulait pas se salir les mains à cause des 300 millions de dollars. C'est pourquoi j'ai dit au début de la vidéo que je respecte cet homme parce qu'il a donné une bonne éducation à sa fille. Maintenant, Alpha Condé est à Conakry. Il est en résidence surveillée. Et nous, peuple de Guinée, qui avons été tant victimes des vols, des détournements et tous ces contrats que Alpha Condé a négocié pour lui avec son ami Diané et son fils, le peuple n'a rien bénéficié. Mais là, c'est nous qui sommes en train de perdre encore les 100 millions de tonnes. Il négocie encore plus un mauvais contrat qui a eu meurtre. Je vais relire le dossier. Je vous dis que c'est juste une première partie. C'est juste un premier parti. Ouais. Il négocie dans le contrat. Les Arabes disent que pour le remboursement des 100 millions de tonnes de bauxite, les frais de transport avec les Chinois, c'est nous, la Guinée, qui vont payer les frais de transport à hauteur de tonnes de 5 dollars. Ils signent encore dans le même contrat que si, regardez, hein, parce que nous, Alpha, lui, il voulait seulement l'argent, le prêt. L'argent, le prêt. Et je vais vous dire pourquoi Amadou Damaro est en prison. Pourquoi Amadou Damaro est en prison. Alpha, lui, il voulait seulement prendre l'argent avec les Arabes. Il a tout signé. Il a tout signé. Ils ont écrit dans le contrat, et si les frais de transport arrivent à changer, à augmenter dans les années que vous n'avez pas fini de rembourser les 100 millions de tonnes de bauxite, vous allez encore payer, augmenter. Vous allez encore augmenter. C'est-à-dire, c'est à la Guinée d'augmenter. Parce que dans les contrats les contrats miniers, vous pouvez signer une partie, vous vous entendez sur une partie, et il y a une autre partie, vous ne vous entendez pas. Vous dites que, oh, ok, ici, sur cette partie, vous allez payer la moitié, je vais payer cette moitié-là. Est-ce que vous comprenez? Donc, sur ce contrat que les Arabes ont donné les 300 millions de dollars à Alpha Condé, dans ce contrat de remboursement pour Alpha Condé, rien n'a été favorable pour la Guinée. Alpha a tout signé contre la Guinée pour son intérêt.
Est-ce que je me fais comprendre? Et jusqu'à présent, la Guinée, allez-y fouiller. Ceux qui sont dans les mines, allez-y fouiller. La compagnie Limited et Mubadala Développement, la Guinée est en train de leur verser 100 millions de tonnes de bauxite. Pourquoi, Jordan, tu as fait coup d'état pour sauver ta tête? Maintenant, pourquoi tu continues à payer cette tonne de bauxite aux Arabes qui a été pris par Alpha Condé? Alpha Condé a de l'argent, si on comprend bien. Il peut rembourser. Il peut rembourser ces dettes-là. Maintenant, pourquoi couvrir Alpha Condé? Pourquoi masquer Alpha Condé? Pourquoi couvrir Alpha Condé? Que la Guinée et les Guinéens continuent de payer les dettes pour Alpha. Maintenant, pour docteur, pour, comment il s'appelle? Ça fait longtemps que je ne fais pas de live. Comment il s'appelle? Amadou Damaro Camara. Oujbilay Minashitam. Vous savez, avant 2020, on n'avait pas d'assemblée. Il a fallu qu'on fasse campagne vite fait pour élire une assemblée, pour que l'assemblée puisse voter des choses, des lois, que l'État seul ou le président seul ne pouvait pas prendre des décisions vis-à-vis des investisseurs internationaux. Alpha Condé avait besoin d'argent. Vous savez, tout le monde... Que Alpha Condé nous a dit qu'il n'a pas besoin de financement de l'Union européenne, il a besoin de personnes qu'on le soutienne, que la Guinée, les Guinéens vont organiser leur élection eux-mêmes. Est-ce que vous comprenez? Vous vous rappelez de ça, non? Alpha a toujours dit, c'est-à-dire, pour faire le référendum, la Guinée n'a bénéficié d'aucun soutien de l'Union européenne, ni de rien du tout. Parce que Alpha a crédit 230 millions d'euros à une entreprise anglaise qui avait exigé à Alpha Condé, il faut que l'Assemblée vote pour ce prêt, pour qu'il puisse débloquer l'argent. C'est Amadou Damaro qui a fait voter l'Assemblée pour les prêts de ces 230 millions d'euros. Et les 230 millions d'euros, c'est ce qui a servi pour faire le référendum et le troisième mandat. Donc, le président de l'Assemblée est aussi en prison pour ça. Maintenant, ce qu'on ne comprend pas, comment est-ce que le fils d'Alpha Condé, qui est actionnaire dans tous ces contrats miniers liés à ce Wasni-là, hein, se retrouve libre comme l'air. Comme son papa, ils ne sont pas inculpés. Comme ce Wasni, je vais sortir les dossiers. Ça sera dans la deuxième partie. Inch'Allah, je vais sortir les dossiers. Demain, Inch'Allah. Je vais sortir les dossiers. Et là, on donne 230 millions d'euros. Ils font le troisième mandat. Maintenant, Jordan Doumbouya, ce qu'on ne comprend pas, pourquoi nous sommes en train de rembourser les 300 millions de dollars que Alpha Condé a crédit, a prêté? Ça, je n'ai même pas touché les 700 millions de dollars de Rio Tinto. Où sont l'argent là? Les 700 millions de dollars de Rio Tinto. Où est passé cet argent? Ce n'est pas au trésor public. Ces montants-là ne sont pas au trésor public. 700 millions de dollars. Et là, on est en train de nous parler des dossiers de Krief. On nous prend les Kassori, les autres. Comment ils s'appellent? Les Zakaria Koulibaly. C'est tout simplement les éliminer. Élimination politique. Zakaria Koulibaly est en train de former sa formation politique. Vous voyez, Glavogué a déjà formé le sien. Hein? Gagné avec tout l'argent qu'il a
amassé, c'est le plus riche du régime d'Alpha Condé. Docteur Mohamed Diani, c'est le plus riche du régime d'Alpha Condé. Sans toucher d'ailleurs, oui, l'homme qu'on dit Bill Gates. L'homme qu'on dit Bill Gates. Mais ça, c'est dans la deuxième partie. Oui, j'ai ce dossier-là. Bill Gates, Dr Mohamed Diani et Alpha Condé. Ça, c'est notre dossier. Voilà. Donc, Dr Diani est en prison. Vous savez, il est en prison pourquoi? Tous ses contrats avec Alpha Condé, Diani connaît tout. Tous les documents, Diani a tout. Tout l'argent, Diani sait tout. Tous les deals, Diani sait tout. Et Mamadi est en train de faire son règlement de compte. Mais dans ce règlement de compte, pourquoi on continue à payer, nous, le pays continue à payer? Parce que ou bien on ne veut pas que ça se sache. Maintenant, le peuple est au courant aujourd'hui. Alpha Condé a fait un prêt avec les sociétés SMB Limited, hein? Société SMB Limited et Mubadala Développement Compagnie d'une valeur de 300 millions de dollars américains. Et dans ce contrat, il a signé un accord avec les Émirats, les Arabes. C'est pourquoi? Ce n'est pas pour rien qu'il est parti là-bas. Ce n'est pas pour rien qu'il était parti là-bas. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas pour rien qu'il était parti là-bas. Dans ce contrat, il a dit que les Guinéens, il a accepté qu'on nous prend, je dis bien, 100 millions de tonnes de bauxite. 100 millions de tonnes de bauxite. On va finir à rembourser ça dans combien d'années? On va finir pour rembourser ça dans combien d'années? Et les contrats négociés avec lui et son fils de 15% avec des sociétés minières SMB, je vais vous monter la vidéo, le mettre avec, parce que il faudra que vous voyez les sites de vos yeux pour comprendre et des explications suivies avec les mines de Bokeh. Des explications suivies avec. Vous savez qu'avant qu'on fait coup d'État, il était parti pour inaugurer les trucs de train à Bokeh, non? Et dans son discours à Bokeh là-bas, il a dit en sousou, Nahambir Mouya Tiris Kamanegeli. Nahambir Mouya Tiris Kamanegeli. Parce que dans les contrats qu'il a négociés avec les compagnies minières, les SMB, ces hommes qu'il a laissés sur le terrain aussi ont renégocié d'autres contrats dans son dos. Et que eux, ils bouffaient autant plus que lui aussi bouffait. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, son pic là, le jour qu'il faisait ce discours, il le lançait à ses amis collaborateurs qui se retrouvent aujourd'hui sur le tapis. Mais Doumbouya a simplement gardé Alpha Condé et l'a mis dans la prison dorée, tout simplement parce qu'Alpha Condé a des milliards de dollars. Ces milliards de dollars là sont où? Comment mettre main sur des milliards de dollars là? C'est pourquoi. Et cette prison dorée coûte très cher à Alpha Condé. Ça coûte très très cher à Alpha Condé. Très très cher à Alpha Condé. Donc, Alpha, il préfère mourir que... D'ailleurs, il a dit, je ne vais pas, c'est-à-dire, accepter de signer une démission des enfants que j'ai nourris, que j'ai habillés. Jamais. Il est prêt à mourir pour ça. Donc, pour découvrir tout ça, selon ma compréhension, moi, pour découvrir tout ça, tous ces milliards de dollars que Alpha Condé a pris la Guinée,
Où sont ces milliards de dollars? On ne sait pas. Mais qui peut aider à ce qu'on puisse connaître où est passé ces milliards de dollars? Docteur Mohamed Diané. Bonne nuit, mon docteur, à la maison centrale. Docteur Mohamed Diané. Tout le monde va sortir de là-bas. Docteur Mohamed Diané ne sortira pas. Pourquoi le directeur, pardon, le gouverneur de la Banque centrale est à la maison centrale? C'est pour ça. Monsieur Nabé, il sait. C'est pour ça. Où est passé tous ces millions de dollars, ces milliards de dollars? Donc, Doumbouya veut récupérer tout l'argent que Alpha Condé et son clan ont volé. Mais toujours là, il continue à couvrir Alpha Condé de ses dettes. Parce que la Guinée est en train de payer les 100 millions de tonnes de bauxite. Et dans ses discours, l'une de ses premiers discours, il nous dit ceci, que tous les contrats miniers qui ont été signés seront respectés. Rien n'a été enlevé. Est-ce que vous comprenez? Il avait dit ça au chapiteau. Il est venu, il a pris tous ces contrats miniers, il les a laissés. C'est-à-dire, il n'a pas dit, bon, on va renégocier les contrats. Non, c'est récemment, ils ont renégocié les contrats. Les 15% que Alpha Condé et sa famille prenaient quand même, ils ont retourné ça à la Guinée. Maintenant, bon, on dit qu'ils ont retourné ça à la Guinée, mais il faut savoir qu'ils ont laissé une porte, un champ libre au ministre Mohamed Diawogi, au premier ministre Mohamed Diawogi. Il a un champ libre. Ce champ libre, c'est quoi? Redresser l'économie. Parce que il y a trois champs actuellement. Il y a trois champs. Ces trois champs, le CNRD est sur deux champs. Ils ont laissé un champ au premier ministre. Si vous remarquez bien, vous allez voir que la Guinée aujourd'hui, le taux de devise par le travail, c'est pourquoi j'ai un peu de regret quand je vois, j'ai vu que, bon, c'est le destin de l'homme. Quand je vois que c'est dans ce régime que Mohamed Diawogi est venu, s'il ne se trompe, c'est un homme très intègre, c'est un homme très très fort qui peut redresser l'économie d'un pays. Si vous remarquez, la devise a baissé. Euro maintenant en Guinée, c'est descendu dans les 900 000. Et dollars, c'est descendu dans les 800 000. C'est le travail de Mohamed Diawogi, ça. Le CNRD a laissé ce champ-là à Mohamed Diawogi. Pourquoi? Pour que leur deal de coq puisse bien marcher. Eux, les deals de coq, ça les suffit. Eux, les deals de coq, ça les suffit largement. Ça les suffit. Mais ils n'oublient pas l'autre champ, deuxième champ là, les mines là. Ils ont le pied sur ça. Ils ont le pied sur ça. Donc, le premier ministre par là, il fait son job. Il n'est pas dans le problème des autres. Il fait le travail pour son pays. Et fort malheureusement, J'espère bien que quand on aura un président plus tard, Inch'Allah, d'ici quelques mois, on aura fait appel, on va faire appel au service de Mohamed Diawogi. Parce qu'il a fait un grand boulot avec tous les documents que j'ai. Il a fait un grand boulot. Seulement, bon, c'est un homme qui n'est pas... Ce n'est pas un homme à problème. Les gens qui disent qu'il est peureux, c'est rentré, sorti comme ça. Non, ce n'est pas un homme à problème. C'est, vous savez, quand on est honnête, on travaille, on a grandi dans travailler honnêtement, on ne peut pas se permettre de réagir sur des positions, des façons. Même quand vous voyez le monsieur, vous sentez que
c'est un bosseur, que c'est un travailleur. Mais, qu'est-ce qu'il peut? Il ne peut rien. Il ne peut faire que son travail. Et il est en train de faire que son travail. Donc, dans le CNR d'aujourd'hui, dans le régime, il y a deux personnes que j'ai pitié. La première personne, c'est la dame qui fait passer les communiqués. La dame, comment elle s'appelle? Celle qui fait passer les communiqués. Parce que voilà, elle se retrouve dans un truc qui est plus fort qu'elle. Qui est plus forte qu'elle. Et que il faut qu'elle... Bon, elle ne peut rien. Il ne faudra pas les en vouloir. Il ne faudra pas les en vouloir, quoi. Il faudra les laisser faire leur boulot. Ils sont en train de faire leur boulot. Le second, c'est le premier ministre. Donc, je n'ai même pas dit le cas. J'ai juste fait des petits résumés patati patata là. Parce que voilà, vous voyez, c'est pourquoi je suis en train de planter. Je suis en train de faire mon studio personnel. Parce qu'avec les enfants à la maison, la famille, c'est pas facile. Ça mélange. Avec tout ce que j'ai noté, j'ai sauté certains parties, voilà. Comprenez, c'est pas facile.